ta focus même à 10% du cinéma, parce que nous-mêmes qui acteurs, qui réalisateurs, nous-mêmes nous gagnons un travail qui en plus nous a fait. Mais si l'État n'a pas mal d'importance avec cette affaire, nous-mêmes nous n'étions pas découragés. Mais malheureusement, ce n'est pas ça privé. Nous pas découragés, nous travaillons avec ça, nous gagnons pour nous avancer avec le cinéma. Et nous toujours croyons que le cinéma haïtien l'a privé. Par contre, ça fait un point dans ça. Il y a peu importe comme si je n'étais pas là pour ma vie, pour moi, ça, mais mon intérêt, je connais le cinéma ici à la Bolivie. Chez l'international, il n'y a pas d'importance. Il y a connaît qu'en Haïti, il y a un pile comme si jeune, ou bien acteur, actrice qui a un talent qui cache normalement dans les potes films à l'étranger. Donc, ça, c'est mon content et on lance avec nous pour nous parler de tout et de rien. C'est le cinéma et parce que dans le travail que nous avons fait ensemble, je dis toujours dire que moi-même talent, je connais bien moi-même là, beaucoup même bail 20% dans les sur YouTube parce que nous travaillons sur YouTube, mais pas une structure vraiment parce que j'ai un travail là, le travail sérieux, c'est pour nous satisfaire le public là seulement. Des fois, nous conjuguons des comme si des gens qui disent que nous avons fait plus et qui m'arrêtent comme si nous avons fait un peu. Mais je connais que le pape comprendre qui va les sacrifices pour faire pour nous bailler ça et que nous bailler là. Au niveau de l'île dominicaine, donc nous avons une chance parce que là, il y a un jeune en électricité qui est déjà plus ou moins qui est Haïti. Et, mais il y a un petit problème que nous rencontrons par rapport avec Syrie qui est absolu. Ça nous bailler. Ça nous paye sur YouTube là. C'est pas les nous plaît, c'est pas les nous gagner dans Jacob nous voulons. Mais c'est les nous carré pour nous voir ça. Et vraiment, matériel qui soit difficile pour nos jeunes, parce qu'on est bien qui vendent cher.